Ah, deux, il y a deux. Bah lui, tu risquais pas de le louper, il avait deux hameçons de piquer dans le meufion. Il en a un sur la tête, un sur le meufion. Ah, ouais, oh, oh la touche. Touche. Je joue la star, regarde. Ouais. 2m50. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je fais maintenant, chef? Je le prends? Allez, je la joue à la Jean-Claude. Tout à la main. Tout à la main ou rien. J'ai quand même bien sonné. Ah! 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 Ah putain! Oh putain, je vais jamais l'avoir. Oh! Ah! Ah, il est reparti! Hein. Oh non, oh non, oh non! Ça, c'était la vidéo de Jean-Claude Tanzini en 2000, en 90. Ah oh, putain! Ah! Oh là là, oh là là, il va me casser. Et alors quand il l'avait sorti, je me rappelle à cette époque, c'était trop marrant. Arrête, allez. On va pas passer la nuit là, dis donc. Je sais pas. C'est à top. Il m'a peine à... Qu'est-ce qu'elle a eu ta canne? Allez! La canne elle est encore dessous là, moi. Ah! Ah! Ah. Ah, essaye vite de le décrocher, Toto, pour celui bébé là, comme ça. C'est pas honteux de faire mal à des poissons de ce genre. Et on le sacrifie ou pas, tu vois? Ah, je sais pas, comme vous voulez. Voilà, là il est décroché. Ah. Ah. Ouais, enfin. C'est plus une légende, c'est plus un mythe, c'est une réalité. Montre-le moi quand même. C'est bon, ouais. Hey, j'espère qu'on va en reprendre un autre, hein, parce que j'ai pas fait 2 heures de route ce matin pour voir un machin d'un mètre. Hein. En attendant, il a fait une belle attaque. Ouais, beau poisson. Ah oui, ils sont jolis, hein. Jaune. Oh le beau caoutchouc. Oh le beau caoutchouc. Bon, bah c'est bien, Fred. C'est bien? On le relâche? Oh oui. Salut. Salut de pauvre, Fred. Eh bien, regardez bien le départ d'un silure. J'ai magistral. Hop, et voilà. Bon, bah merci les gars. Vous n'êtes pas capot aujourd'hui? Non, bah c'est toi qui es pas capot. T'as aplati le fil? On a aplati le fil. C'est, tu nous as demandé d'aplatir ta tresse parce que c'était de la merde. On le fait. Nous, on justifie nos kilomètres. Nous, attends. On nous a fait venir de 2 heures de route pour aplatir de la tresse. T'as bouffé quoi? Une tente, un cardo? Un rotant. Un pépé, hein, quand même. Bon, pour des poissons de cette taille, c'est impressionnant quand même. Hey, j'espère qu'on va en reprendre un autre, hein, parce que j'ai pas fait 2 heures de route ce matin pour voir un machin d'un mètre. Hein.